52 717 euros, c'est la somme exacte que je viens de recevoir sur mon compte. Je suis tout excité, je t'en dis plus dans cette vidéo, c'est parti. Salut les entrepreneurs immobiliers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va finir cette logique de comment s'enrichir avec l'immobilier, puisque j'avais commencé une série de vidéos YouTube où je t'emmenais sur le terrain pour te montrer les différentes opérations qu'on peut faire sur comment arriver à s'enrichir rapidement avec l'immobilier. Et confinement oblige, je tourne aujourd'hui cette vidéo en studio et on est à la fin d'une belle étape pour Manuel, mon associé, et pour moi, tout simplement parce qu'on vient de faire notre première vente à titre personnel. Jusque-là, on n'avait jamais revendu un appartement. Et du coup, l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu les livres et de te montrer ce que ça donne et combien est-ce que j'ai gagné exactement avec Manuel sur la vente de ce premier bien. Je te montre tout de suite sur l'écran à quoi ça ressemble parce que c'est quand même beau. Regarde, je te le zoome parce que ça vaut le coup que ce soit en grand. C'est daté du 6 novembre 2020. 52 717 euros, 14 et 13. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi le notaire m'a viré un centime de moins qu'à Manuel. Non, je plaisante. Donc là, c'est la somme qu'on a reçue sur la vente de cet appartement qui était un appartement à Paris, qui était le premier bien qu'on avait acheté. Je te montre ici les attestations puisque le but, c'est que je puisse ici vraiment te faire vraiment en immersion. Donc là, tu vois, je suis ici. Manuel était juste en dessous sur cette partie-là. Et on avait acheté le bien en le 23 décembre 2015. Donc, ça fait globalement 5 ans. Ça ferait décembre 2020. Donc, un tout petit peu moins de 5 ans. Et alors, il y avait beaucoup de travaux à faire. Je te montre ici, il avait été acheté. Voilà, prix de vente, 40 000 euros. Il y a 10 mètres carrés globalement pour que tu te rendes compte. Alors déjà, c'est la première chose que je voudrais dire. J'ai déjà des gens qui m'ont dit « Ah, 10 mètres carrés, c'est abusé d'acheter 10 mètres carrés. » Mais on ne pouvait pas faire autrement avant. Il y a bien un moment, il faut démarrer. Peut-être que toi, tu regardes la vidéo à ce moment-là, tu as envie de te lancer dans l'immobilier et tu ne peux pas forcément acheter un immeuble. Il y a plein de vidéos sur YouTube et j'en ai fait acheter un immeuble, mais tant mieux si tu es dans cette possibilité de le faire. Mais il y a une réalité qui était la nôtre en 2015, c'est qu'on ne pouvait pas acheter plus grand, on débutait dans l'immobilier et donc fallait bien commencer. Donc c'est souvent ce que je dis, c'est ça, ce qui est important, c'est de passer à l'action et de débuter, que tu achètes une place de parking, que tu divises pour faire par exemple de la location à des deux roues, à des scooters ou à des motos, que tu achètes un box, tu achètes un studio en province, un studio à Paris. Ce qui est important, c'est de débuter, que tu fasses du crowdfunding immobilier parce que tu ne peux pas au départ soit lever de la dette, soit acheter un appartement pour toi. Mais ici, c'est typiquement ça, on ne pouvait pas faire plus. Donc déjà l'idée, oui, le marché immobilier, bien évidemment, il était beaucoup moins cher sur cette zone-là il y a 5 ans, mais c'est valable dans plein de zones. Et ce sera sûrement valable dans 5 ans. C'est aussi cette réalité-là. Tout le temps, on dit oh, c'était mieux avant. Oh, si j'avais su, j'aurais acheté, je serais passé à l'achat. Si j'avais su, je serais passé à l'achat avant. Mais ça, si on refait cette vidéo dans 5 ans, c'est exactement la même chose. Celui qui a acheté ce bien-là, je vais te montrer les prix de vente. Dans 5 ans, c'est pareil. Et même, c'est souvent ce que je dis, sur un marché flat, dans 5 ans, tu auras gagné 5 ans d'amortissement du bien. Et c'est ça qui est énorme, c'est que plus le temps passe dans l'immobilier, plus de toute manière tu t'enrichis parce que ça joue pour toi. Je te mets ici, c'est cette vidéo-là, comment s'enrichir avec l'immobilier, épisode 3. Voilà, tu vois ici le titre que je t'avais tourné. Donc, je t'invite à aller sur le lien. On va te faire apparaître le lien à l'écran si tu veux regarder cette vidéo. Il n'y avait pas le confinement, donc je pouvais t'emmener en immersion. Et je t'avais montré ce bien-là. On était sous compromis. Ça y est, l'acheteur a eu son financement. On a fait l'offre et donc on a reçu. Et comme promis, je t'avais dit que je te montrerai, je fonctionnerai à livre ouvert pour te dire voilà combien est-ce que ça m'a rapporté. Prix de vente, je t'ai montré. Le virement qu'on a reçu le 6 novembre, je t'ai montré. Ici, offre de prêt. Donc de l'époque,
On avait emprunté, comme tu le vois, c'est la première ligne, 40 000 euros qui était le montant de l'achat et on avait mis en apport personnel le reste et tu vois, ça fait des mensualités. Ensuite, c'est la colonne de droite de 526 euros. Je vais te montrer ici la décomposition de l'opération. Donc, c'est là où ça va être intéressant puisque je vais pouvoir voir avec toi et c'est tout l'intérêt de voir combien est-ce que ça nous a rapporté exactement. Je vais le mettre en un peu plus grand. Voilà, comme ça, on verra bien. Je l'ai acheté 40 000 euros. C'est ce que tu vois ici. Notaire, alors j'ai arrondi, hein, je t'ai pas mis deux chiffres après la virgule parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. L'idée, c'est que tu comprennes globalement combien est-ce qu'on a gagné. Donc notaire, j'ai arrondi à l'époque légèrement à la hausse. Là, ça ferait 10%. Alors, tu sais que sur les petits achats, il y a quand même un montant minimal qui est pris par le notaire forfaitairement et par l'État. Donc, je t'ai arrondi à 10%. Dans la réalité, c'est un petit peu moins. On avait fait 10 000 euros de travaux. Fallait tout refaire. On va te faire apparaître des photos là à l'écran du bien avant. Et tu vois, c'était, il n'y avait rien à garder. Et c'est aussi ça qu'il faut que tu comprennes. Bah, c'est tout simplement la création de valeur. L'argent, il passe par ça. Il passe pas, on n'a rien fait. La création de valeur, c'est que le bien, il était complètement vétuste, inhabitable, comme tu le vois sur les photos. Il était en rez-de-chaussée rue, alors c'est équivalent rue, impasse, parce qu'il n'y a pas de gros trafic, mais ça reste un rez-de-chaussée rue. C'est une petite surface, on a 10 mètres carrés. Donc, si tu veux, sur le papier, je cumulais tout ce qui, à la base, fait suivre une personne normale et lambda dans l'immobilier. C'est-à-dire que globalement, personne ne comprenait pourquoi j'achetais ça. Et peu importe le prix, parce qu'on avait aussi un usage du bien qui était en réserve ou en local de stockage. Donc, il y a eu aussi de la création de valeur à ce niveau-là. Donc ça, c'est toujours pareil. Tu as un usage du bien qui n'est pas hyper cadré. Tu es en rez-de-chaussée, tu as une petite surface. Tu es complètement vétuste, il y a beaucoup de travaux à faire. Tu élimines une partie de la population, d'investisseurs, de gens qui ne connaissent pas non plus l'immobilier et qui ne passent pas à l'achat. Donc oui, même il y a 5 ans, c'était une bonne affaire, mais crois-moi, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas acheter ce bien-là. Et là, en ce moment, je veux me repositionner sur des opérations plus grosses avec Manuel. Donc, il y a certains biens d'une petite surface qu'on veut potentiellement enlever pour pouvoir avoir des appartements, des opérations plus grandes. Et donc, pour ça, on a besoin potentiellement d'apport personnel. Donc, c'est la raison pour laquelle on a souhaité se séparer de ce bien-là. Et je te ferai une vidéo sur un bien qu'on a acheté il y a pareil 5 ans, qu'on avait à l'époque proposé à un client. Il n'a pas voulu l'acheter et c'est pas grave du tout. Mais si je te montre les chiffres, tu vas dire, mais pourquoi? Pourquoi à l'époque, il n'a pas voulu acheter? Parce que ça peut faire peur, parce qu'à ce moment-là, il n'était peut-être pas prêt à passer à l'achat, parce qu'à ce moment-là, voilà, il avait envie, mais il avait encore trop de freins, trop de barrières psychologiques qui l'ont empêché de passer à l'achat. Donc, l'idée, c'est vraiment de te montrer en créant de la valeur. Donc, bien sûr, il y a un moment donné, on a travaillé, on a créé de la valeur. Ensuite, on n'a plus travaillé et c'est le temps qui a joué pour nous et la prise de valeur du bien. 10 000 euros de travaux, 6 000 de mobilier, ça te fait 60 000 de coût total d'opération. Je t'ai montré l'offre de prêt, on a fait donc un financement sur 40 000 euros et on a dû donc sortir de notre poche la somme de 20 000 euros en apport personnel. Je te montre recette. J'ai compté 45 mois parce qu'il y avait eu beaucoup de travaux. Il y a 3 mètres de hauteur sous plafond. Il y avait eu énormément à faire. L'artisan n'avait pas été non plus ultra rapide à l'époque. Donc, j'ai pondéré pour que ce soit juste. Plus un petit peu de vacances locatives. On a dû avoir 3 locataires, je pense. Oui. Et du coup, ça s'est pas parfaitement, les baux se sont pas parfaitement superposés. Je n'ai pas tout repris, mais je t'ai dit, voilà, j'ai pris un ordre de grandeur à 45 mois de loyer, donc plutôt très conservateur. Je pense que dans la réalité, il y a 1, 2 ou 3 mois de plus. Mais comme ça, au moins, tu verras, même en étant conservateur, ce qu'on a gagné. 28 000 euros de recettes. Dans les dépenses, je t'ai compté 55 échéances à 526 euros, comme tu l'as vu, 29 000 euros. Les charges, 55 mois à 40 euros. Alors, c'était un peu moins, mais je t'ai compté 2-3 travaux. Franchement, il n'y en a pas eu dans la CoPro, très léger. En fait, j'ai tellement peu de tantièmes que même quand ils font des travaux, si tu veux, c'est 10 balles. Donc, je t'ai compté 2200 euros. Taxe foncière, c'est très faible. À Paris, de manière générale, elle est faible. En plus, là, c'est logique, on a quand même une petite surface. Donc, je t'ai compté 120 euros sur 5 ans, 600 euros, ça fait 31 000 euros. Donc déjà, ce qui est hyper intéressant que tu vois ici,
c'est que on est quasiment flat entre l'entrée, les sorties. Et même, je trouve que ce qui est intéressant dans l'exercice, c'est que tu vois que potentiellement, il y a eu un cash flow négatif là-dessus. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que tu vas voir la somme qui a été gagnée. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, quand tu as le niveau de la mer comme ça, moi, je dis toujours l'immobilier, c'est vraiment l'iceberg. Tu as ici la plus petite partie, c'est ton cash flow. Et ici, c'est ton amortissement du bien. Parce que très clairement, la plus grosse partie qui ne se voit pas, c'est celle-ci qui t'enrichit. Et c'est vraiment ce que tu vas voir ici. On l'a revendu 137 000 euros. C'est effectivement plutôt bien vendu. Après, c'est la partie marché aujourd'hui à Paris sur une petite surface. Ça veut dire 12 000, 13 000 euros du mètre sur une petite surface. Refait à neuf, on l'a revendu complètement meublé et équipé aussi pour que tu le vois. Je t'ai enlevé l'apport personnel puisque c'est de l'argent qui était sorti. Donc finalement, lors de la vente, on le récupère. Je t'ai enlevé la plus-value et je te l'ai mis ici. On a reçu le fichier de la plus-value calculé par le notaire. C'est le chiffre que tu vois là, 15 621 par personne. Donc, c'est pour ça qu'ici, tu vas voir que j'ai fait x2 où je t'ai mis 31 000 euros parce que c'était par personne. Je t'ai repris donc les recettes d'ici pour que ce soit juste. Je t'ai repris bien évidemment aussi les dépenses qui sont donc ici. Ça te fait un total, c'est juste ouf, ça te fait un total que tu vois là de 82K net. Là, c'est net, j'ai retranché la plus-value, j'ai retranché l'apport personnel, j'ai retranché les encaissements, les décaissements. J'ai pas mis d'impôt dessus parce que j'en ai pas payé. J'étais en loueur meublé non professionnel. Donc, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité des autres vidéos parce que c'est tout l'intérêt. Il n'y a pas eu d'imposition pendant la durée de détention de cet appartement parce que tout simplement, j'ai créé un déficit. J'ai divisé et c'est ce que tu retrouves là. On a réellement gagné 41 000 euros chacun. 41 000 euros. Si tu regardes sur un peu moins de 5 ans, mais on va dire 55 mois, c'est la base qu'on a pris, 41 000 divisé par 55 mois, ça fait 745 euros par mois. 745 euros par mois net. Net de tout, chacun et avec manuel, donc pas fois deux, chacun. Ouais, mais c'est dingue. On parle de 745 euros net chacun par mois avec un studio en rez-de-chaussée de 10 mètres carrés. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, le potentiel de l'immobilier pour t'enrichir, c'est juste incroyable. Je voulais te parler un mot quand même pour la revente. Ça ne se revend pas non plus comme ça. Pour commercialiser, je te le montre. Ici, tu vas le voir, tu as une visite virtuelle du bien. Donc, plus que jamais avec le confinement, il faut te professionnaliser dans toute ta maîtrise et tes techniques immobilières et il faut digitaliser au maximum, mais même égoïstement pour gagner du temps et pour commercialiser. Donc là, on va te refaire apparaître les photos d'avant pour que tu te rendes compte. Et je te montre après. Et encore là, c'est après 5 ans. Je crois qu'on l'a juste fait repeindre. Mais même, tu vois, tu peux voir que c'est un petit peu, je vois que c'est un petit peu jaune autour des fenêtres. Donc en plus, on l'a fait repeindre, mais on est après 5 ans. Donc ici, coffrage pour le compteur électrique. Ici, on donne sur une petite impasse, une rue. Les voitures peuvent passer, mais il n'y a pas de trafic, je redis. Coin télé. Ici, tu as l'entrée avec la porte, vrai WC, là c'est pareil, on était sur une surface, on a fait en sorte d'ajouter un WC, de le relier à la colonne, n'y était pas, c'était encore quelque chose qui pouvait faire peur à un investisseur débutant, douche. Ici dans le coffrage, on a mis la machine à laver de linge, lavabo, sèche-serviette et coin cuisine ici et coin couchage en haut. Ici rangement encore plus coffrage. Du ballon d'eau chaude. Et donc, tu vois, l'idée,
c'est vraiment de te montrer ce qu'on est capable de gagner dans l'immobilier avec 10 mètres carrés. Ici, je te le montre aussi, on avait fait une visite vidéo. Regarde, je pense que le son, ça devrait aller. Je vais te le mettre aussi. Ça permet, encore une fois, que l'acheteur se projette. Studio, situé deux passages du Charolais dans le deuxième arrondissement. L'appartement est juste ici au rez-de-chaussée. Tout va dans l'appartement. Quand vous arrivez face à vous, vous allez avoir la salle d'eau avec la douche et les toilettes. Tu vois, ça permet de faire une présentation. La partie principale de l'appartement, avec le coin cuisine ici. Et au-dessus de la cuisine, il y a le coin nuit en mezzanine. Je vais te montrer. Voilà, bon, l'idée, c'est pas forcément de te montrer toute la vidéo, c'est pour te montrer qu'on a donné au maximum la possibilité à tout client, à tout investisseur qui veut se projeter, qui veut acheter, de pouvoir le faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. L'idée, c'était vraiment de fonctionner à livre ouvert, que tu puisses te projeter, essayer de ne jamais trop écouter ton entourage, des gens qui n'ont pas investi encore une fois sur cet appartement. On nous avait pas mal découragé, les gens ne comprenaient pas pourquoi on passait à l'achat sur 10 mètres carrés, en rez-de-chaussée, vétus, sans WC, avec un usage du bien qui n'était pas clair et pas défini, qui était en réserve. Donc tu vois, ça fait beaucoup de choses et de points négatifs qui auraient fait fuir bon nombre d'investisseurs. Et pourtant, 52 000 euros, c'est gigantesque et j'en ai conscience. Donc, il faut manier les chiffres avec des pincettes parce que c'est énormément d'argent. Je le rappelle, il ne faut pas s'improviser et justement, si tu ne veux pas t'improviser, je t'invite à faire appel à l'ensemble de l'équipe qu'on a formée avec Manuel, la société investissementlocatif.com, parce qu'on va pouvoir t'accompagner dans des opérations dans plus de 15 villes en France qui sont très rentables et où on fait gagner beaucoup d'argent à nos clients chaque année. Mais pour ça, il faut passer à l'action. À très bientôt. Ciao.